C'est le Zénith. Oh, on va baisser le son. Bonjour, bienvenue et bon retour dans l'élévation de la voleuse de tombeau. La 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 la. Ouais. Previously, on avait fait un défi tombeau et j'avais enregistré un autre épisode à la suite où je cherchais tous les autres défis tombeau. Et j'ai trouvé ça chiant en fait, j'ai perdu 20 minutes, j'ai fait un épisode que je vais pas poster hein, de 20 minutes où justement je cherchais tous les défis tombeaux, dont un qui est notamment dans le Vallon Maudit, résumé de la région, défi terminé 0 sur 1, sauf qu'il n'y a pas moyen de lui mettre la main dessus. Donc j'ai décidé de courageusement abandonner. Et de reprendre simplement l'histoire, mais pour ce faire il faut que je regagne au plus vite... un feu de camp pour faire le voyage rapide jusqu'à la vallée géothermique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et j'ai oublié quelque chose. Ah oui, oui, c'est j'enregistre cet épisode 2 jours après Noël, où j'ai reçu une montre, et j'ai eu pas mal de montres dans ma vie, et à chaque fois j'oublie pourquoi je porte pas de montre. Et bah maintenant je m'en souviens, parce que les montres m'arrachent les poils du poignet. Et ça fait mal. Donc voilà. Ouh là 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 là. Alors j'ai assez peu dormi. Enfin non. Enfin j'ai pas assez dormi. Bon, on va dire que j'ai pas récupéré. Mais j'ai bien dormi. Mais j'ai pas récupéré. Et du coup j'ai les yeux assez fragiles. Et là j'ai ma deuxième paire de lunettes. Qui n'est pas celle que je porte d'habitude. Mais qui a exactement les mêmes propriétés. L'autre est juste à côté. Mais j'ai pas envie de me lever pour aller la chercher. Mais c'est vrai qu'elles me vont mieux je pense. Ah, alors, voilà le feu de camp. Alors, les objectifs de mission, emprunter le chemin qui mène à la tour. Objectif de l'histoire, voilà. Hop, je ferai les histoires de machin. Pour l'instant, je vais juste faire la campagne principale. La quête principale, la campagne principale, ça veut rien dire. Voyage rapide. Bah, ça doit être plus rapide là, non? Me trompe? Non, bah il veut que j'aille à celui-là, feu de camp dans les ruines. Et la grotte aquifée. Ah oui, c'est un défi tombeau, effectivement, oui, non, faut mieux pas. Plus long. On se téléporte et j'aurais dû me prendre un peu d'eau avant de commencer, c'est pas grave. Je voulais enregistrer du Skyrim, mais j'ai encore beaucoup trop de retard sur Tomb Raider. En fait, j'ai beaucoup plus d'épisodes de Skyrim à publier que de Tomb Raider. Et bah donc, bah tant pis, hein, je fais du Tomb Raider, et bah tant pis. Je m'amuse moins. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que je découvre plus le jeu, donc je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si je vais m'amuser ou m'ennuyer ou avoir peur. Attends. Ok, par là. Et décidément, j'ai du monde qui se connecte sur Skype en même temps, sur Steam. Allié à proximité, ouais, mais j'ai pas confiance. Voyons, ouais, y a bien 2-3 trucs là. C'est vous qui êtes venu avec Jacob. J'ai quelque chose à vous demander. J'écoute. Ah non, c'est mort. Attends, si, j'arrive. Le prophète et ses fidèles se sont enfuis. Mais ils ont été attaqués. En Syrie. Ils attaquent en Syrie ou je n'ai mal à y croire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Jacob m'a dit que vous aviez un don pour l'exploration. T'auras à perdre en fait. Il reste des sites antiques, des tombeaux, partout dans la vallée. Vous avez peut-être vu les avertissements destinés à effrayer les enfants. Ce n'est pas de la superstition. Ces endroits sont dangereux, mais ils renferment aussi des reliques de notre gloire passée. Mais pas seulement des bibelots. Il y a surtout le savoir. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de ce savoir. 10 ans plus tôt, j'y serais allée moi-même. Mais là, votre aide serait la bienvenue. Pièce byzantine, chaque tombeau, tenue sacrée Umbra, tous les tombeaux. Ah, les intéressant. Vous avez déjà exploré un ancien tombeau. Vous voulez bien partager ce que vous avez appris avec nous? Bien sûr. Ils appartiennent à votre peuple. On n'a pas grand-chose, mais j'ai 2 vieilles pièces d'or. Si l'or a de la valeur pour vous,
Je pourrai vous en donner à chaque secret que vous révélerez. Dès que vous découvrez un tombeau et récupérez le secret qu'il renferme, revenez me voir. D'accord. Alors, est-ce que je peux choisir mes quêtes? Alors, les défis tombeaux que j'ai faits. Ok, ils sont simplement obscurs. Et ben finalement, bah écoute, on va repartir sur vite fait les deux défis tombeaux qui me restent dans la vallée, au haut de Dana, la lilala. Et avant de continuer la suite. Alors, le marqueur, il est là. Putain, j'ai oublié les paroles, c'est dommage, j'aurais bien chanté là du coup. D'accord. Prends-je le risque de me baigner? Non, 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 je vais pas prendre le risque. Putain! Oh là, j'ai... Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de couleur. C'est fade. C'est parce que c'est un temps de merde. Ah! Ah d'accord, comment je fais pour y aller? Ah d'accord, c'est par derrière la cascade en fait. Alors j'y suis allé, je voulais voir si des fois je crevais ou un truc comme ça. Ça m'a l'air très clair, à part des saumons, je pense pas que j'ai trouvé autre chose dedans. Bon évidemment j'ai pas trouvé de saumon, mais l'eau est tellement belle que j'ai pas peur. Voilà. Alors, j'espère que c'est un savoir intéressant. J'en ai marre des pouvoirs pourris. D'accord, ok, bah je le ferai à la sortie du tombeau. Ok, nous y voilà. Matériel manque encore. Pour dépasser ce point, une bobine de fil de fer, The Beat, Rugby, chouette. Ah, mais t'es marrant, toi. Comment tu veux que je trouve la bobine de fil de fer, Rugby, chouette? Attends, 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 attends. Tu peux pas me leur montrer le message que tu viens de me dire là? Parce que je l'ai pas lu là. J'étais en train de parler. Et je peux pas parler et lire en même temps. Enfin, non. Enfin, si, mais non. Enfin, là, je pouvais pas là. Allez, redis-moi le message. Oh merde, merde. Bon, bobine de fil de fer, j'ai retenu que de ça. Alors où est-ce que tu veux que je trouve une bobine de fil de fer? Bah écoute, je vais aller à celui-là. Et si je tombe sur un feu de camp, je regarde s'il y a un truc de fil de fer, machin, bobine de fil de fer, dans les trucs que je peux créer. Allah Akbar! Ah bah je pensais qu'il y allait avoir une animation de plongeon, bah j'ai raté le truc. Merde, quand ça... peut-être pareil, j'ai oublié de lire, ça se trouve il dit ouais, pour faire un plongeon, faut appuyer sur telle ou telle touche. Et j'ai complètement foiré. Mais c'est vrai que j'ai les flèches incendiaires maintenant. Comment je vais accéder là? Celui-là je l'ai déjà fait. Attends, 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 attends. Ok, je vais simplement remonter la rivière. J'ai une narine assez débouchée, je suis content. J'ai juste les yeux un peu fatigués. Bon, il y a du lapin, il y a beaucoup trop de lapins là. Voilà. Puis c'était tellement groupé qu'il suffisait de tirer dans le tas. Il y a un écureuil. Ah, il dispose comme ça. Ah, d'accord. Bon, très bien. Ça se trouve, j'y étais déjà allé aussi dans celui-là. Il manquait peut-être un truc également, je sais pas.
Je reste planté là, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Ouais, bah non, bah c'est par là. Non, non, attends, mais j'étais pas déjà venu là? Ah non! Si, il me fallait une combinaison pour retenir plus longtemps ma respiration. Voilà, je m'en souviens. Voilà. Et ouais, mais il me demande des trucs que j'ai pas là. Ah, je me suis baigné dans de l'eau coupie dégueulasse là. D'accord, bon bah où est-ce que tu veux que je trouve ça quoi? Y a pas un marchand ou un truc comme ça? Relique, document, fraise, cache de survie, cache de monnaie. Gnagnagna. C'est quoi ça? Document. Ouais, les documents. Feu de camp. La tente la plus proche. Ah bah tant pis, hein. Écoute. Sinon, il y avait le marchand dans la... dans le complexe soviétique, mais il me vend des armes. Je me souviens pas qu'il me vendait des trucs qui pourraient éventuellement m'intéresser, justement, comme le respirateur ou la bobine de fil de fer. Bon, je vais quand même aller voir. Infirmerie. Mais, je place une balise là, arrête de me faire. Pourquoi tu veux pas placer une balise? Why don't you want to place a balise? Place une putain de balise! Bon, je vais me démerder. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord. C'est un piège. Non, X ou Y en français. Y. Ah, récupérer tous les lapins, c'est un défi. Ah ah, j'ai récupéré le lapin. Ouais, moi j'aimerais remonter. Attends, entrée de la crypte. Non, c'est pas par là que je veux aller, moi c'est retrouver un feu de camp. Je veux retrouver un feu de camp. Pour me téléporter. C'est envisageable? Is it envisageable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des trucs là? Ah, c'est pas simple, hein, c'est pas simple ce jeu, hein, il est vachement compliqué. Si je tue une poule, est-ce que ça fait comme dans Skyrim? Ouais, je vais pas tuer leur poule même si ça donne de l'XP. Hein. Ouais, je vais foutre le feu à la poule? Bah non. Oh, oh, beaucoup de ressources. Du pétrole notamment. J'imagine que l'espèce de goutte machin c'est du pétrole. Ah bah le voilà le feu de camp là. Donc on va se taper un temps de chargement au complexe soviétique. Voyage rapide. Le goulag. La grotte de glace. C'est là le complexe soviétique là, arrête de me gonfler. Ah oui, zoom avant, voilà, avec un zoom avant ça aide. C'est ça hein, le marchand de merde là, cabane à provisions, voilà. Eh, n'empêche, bah, j'ai coupé hein, des fois que, enfin je, oui, enfin j'ai coupé, enfin je pense que je, bref. Il y a eu quand même 30 secondes à peu près hein, de chargement, donc oui, j'ai bien fait de couper. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me vends? D'autres pièces d'or. Je crois qu'il commence à se douter de quelque chose. Il se peut que je doive m'éclipser en vitesse. Ascenseur à corps. Fusil en soi. Mais ascenseur, mais t'as que de la merde! Mais t'as que de la merde! Mais qu'est-ce que tu veux que je shoote avec ça? Mais t'as rien d'intéressant, mon gars! On se raccorde, oui, ça gagne du temps, mais ça vaut pas le coup, ça coûte beaucoup trop cher. Pour ce que c'est.
Bon, eh ben, un temps de chargement pour rien. Ça mène où, ça, par contre? Ah, il faut être à la tête. Ah oui, d'accord. Bah, je peux pas y aller. Putain, on peut pas le racketter ou le menacer, c'est dommage. Eh bon, bah, on est reparti. Super. Où est-ce que j'avais dit que je voulais aller? Oh. Bah je sais plus. Bah tant pis, on va continuer l'histoire. Bah en fait, on, voilà, on a perdu 10 minutes. ouais, bref, donc encore 30 secondes de machin. C'est un peu lourd par contre la musique là. Alors, du coup, on reprend là où on en était. L'orbe de ruines. J'étais déjà venu là, non? Ça me dit quelque chose. Ah oui, je suis déjà venu. Oh 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 oh. Dans ce cas, c'était pas plus simple de me demander de venir à ce camp-là. Sérieux. Quoique, non, je suis pas sûr, parce que la grotte, je sais plus. Oh, puis y a pas beaucoup à nager, ça va. Ouais, on va prendre ce chemin-là. Jamais on l'a vu, jamais on le verra. La famille tortue courir après les rats. Le papa tortue, la maman tortue, les enfants tortue iront toujours en bas. Jamais on l'a vu, jamais on le verra. La famille pingouin sortir en pyjama. Le papa pingouin et la maman pingouin et les enfants pingouins sont bien trop chic pour ça. Bah merde, là c'est un cul-de-sac. Oh, pardon. Ah bah tu vas prendre du petit bois, tiens, ton premier. Non, ça va, ça va, ça va. Alors. Par contre, là, il n'y a pas de masque à gaz requis. Hein. Ou de mouchoir sur le nez, enfin, je sais pas, un truc histoire de filtrer... un temps soit peu. Hop là. Tout va bien? Il a été pétrifié par le basilic. Alors, bien le bonjour. Ah, on t'a toujours pas coupé la jambe, toi? Sérieux, il y avait un feu de camp juste là. Ah non. Alors, tiens, de la lecture. Ça y est. Ça parle d'une chose qui est cachée. Encore, comme d'hab, tu as à peu près... Alors, ah bah tiens, c'est aussi une des choses que... Si seulement tu pouvais voir la vue de ma tante, Lara. Le chantier est absolument splendide dans la lumière du crépuscule. Quand les derniers rayons du soleil viennent frapper les découvertes de la journée. Ensuite, les feux s'allument petit à petit et l'odeur de la viande grillée se répand dans tout le campement. Ils me disent que c'est du cochon d'Inde. Je n'ai pas voulu goûter. Ross en a mangé deux. Peut-être que la prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Comment s'est passé ton examen d'histoire? Ce sont mes meilleurs souvenirs, papa. Être sur les chantiers de fouilles avec toi. Surtout quand tu m'as signé à ma propre parcelle à fouiller. J'adorais ça. Ce sentiment de participer à quelque chose d'important. Y a pas un arc à poulie avec stabilisateur? Bon bah c'est pas grave, on va se contenter de celui-là. On rigole plus, on passe à l'arc à poulie. Wesh alors. Wesh alors.
Allez. Ah, je peux te dire que ça. Alors là, je peux te dire que l'écureuil. Il n'y en aura plus de noisettes. Ouais, je sais pas. Bref, il n'y a rien qui. Enfin, un écureuil, ça m'inspire pas donc. Oh, un sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école pour une truc et de bricole. Tout ce qu'il faut pour la journée là, mon ventre s'est rangé. Je viens de là. Elle vient de là, elle vient du blues. Ah, j'ai la manette dans les mains, donc je mets pas la main devant la bouche quand je baille, tant pis. Hein. La musique vivra tant que vivra le blues. Find a way to the aquapool. Oh, il y a des pommes. Par contre, ouais, l'arc à poulies, Jacob, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes, sous la tour. Et j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. Je vous rejoins dans peu de temps. Ouais, donc je disais, pour l'arc à poulies, elle peut pas vraiment tirer la corde comme ça sans se défoncer les doigts. Généralement, ce qu'on a, c'est... tirer la corde, c'est une espèce de fil, enfin de d'autres cordes, une corde qui enveloppe la corde, et on a une espèce de accroché à une gâchette en fait, un peu comme le système de l'arbalète. Dès qu'on appuie sur la gâchette, ça lâche la et ça libère la corde. Enfin bref, voilà. C'est assez dur de d'illustrer ça avec avec des doigts. Faudrait, faudrait simplement, je sais pas, peut-être en tapant palette arc à poulies sur Google, il y a moyen de trouver ça, ouais. Peu importe, moi ça me gêne en tout cas, parce que j'ai jamais vu quelqu'un utiliser un arc à poulies avec les doigts, et surtout sans palette, quoi, sans palette, sans même de cuir pour protéger ses doigts, quoi. C'est putain. Et ouais, non. Tu peux pas, ton doigt il part en fait, tu t'écartelles le... Bref. L'arc à poulies c'est infiniment plus puissant. Alors c'est très très dur à tirer la corde, mais une fois que l'arc est bandé, justement le système de poulies, en plus de décupler la puissance du tir, le système de poulies justement permet qu'une fois que l'arc est bandé de pouvoir tenir plus longtemps. Parce que si évidemment c'est 100 fois plus dur à tirer et que tu puisses pas le bander et prendre le temps de viser, ça sert à rien. C'est compliqué. Ah, elle est où la corde? Elle est où? Ah, tout simplement. Donc l'ascenseur à corde que j'aurais pu acheter chez l'autre Pecno, justement, en fait, ça me permet de glisser comme la tyrolienne, mais dans le sens inverse. Donc ça permet d'aller un peu plus vite, mais dépenser 30 pièces d'or pour... On va devoir se baigner. Je sais pas d'où elle sonne cette église, quoi, sérieux. Dépenser 30 pièces d'or dans ce truc pour gagner 2 secondes, ça vaut pas le coup, quoi. Encore l'hélicoptère aux hélices dégueulasses. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh, mais regarde-moi cette trajectoire, cette vitesse d'hélicoptère. Tout. Mais c'est un jeu de 2015. Ah, par contre, ouais, c'est... Ouais, non, mais c'est... Alors, je sais pas si c'est pour qu'il puisse tourner sur console, hein, qu'il y a des trucs aussi d'erc. Et les animations d'hélicoptère pour 2015... Enfin, la trajectoire. Le truc, il tourne comme ça. C'est un poisson. C'est un poisson qui vole, quoi. Changer de flèche spéciale.
Oui, oui, je sais. Pourquoi que j'ai un truc à faire brûler? Pourquoi tu me dis ça? Par contre, ouais, on te fait faire le stock de munitions, donc à mon avis, il y a un combat à venir. La foire d'un escapé. Oh, de la bouffe! Ah non, c'est du minerai. Ah, je vais changer de tenue, parce que ça, c'est pas une tenue d'Arcapouli. Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix, maintenant? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps. Et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. Si je me bats à leur côté, peut-être que Jacob me fera suffisamment confiance pour me dire ce qui se passe réellement. Bon, on n'est plus en montagne, hein. Là, ce que je voudrais, c'est une tenue avec des gants. Ah non, ça c'est beaucoup trop commando, ça c'est Wesh Alors. Ça n'a rien à voir, je sais pas ce que je raconte. Ouais, mais non. Mais non. Bastion de l'espoir. Oh, mais il m'énerve avec cette tenue à la con, là. Arrêtez avec vos armures! Belladonna. Prédateur des sommets. C'est celui que j'avais. Épervier, je l'ai eu aussi. Oh putain, y'a rien qui me convient. There's nothing qui convient to me. Oh là 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 là. Non. Désolé, j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau pour continuer à jouer. Ouais, mais avec l'arc à poulie, ça va pas. Mais les vieilles tenues avec l'arc à poulie, ça va pas non plus. Donc ça, ça va très bien avec le flingue. The gun, nigga. Ça va très bien avec mon... Oh putain, ça, j'ai un fusil à verrou, j'allais dire avec la calache. Fait. Bon bah écoute, eh, tant pis. Hein. Tant pis. N'importe quoi, j'ai une tenue citadine. Bon, ah, mais c'est bon, arrête de te justifier, joue là, merde. Ça, ça m'arrive souvent, hein, par contre. Hein, c'est même assez dur, je travaille d'ailleurs là-dessus. C'est pas vrai. C'est. Je me rectifie tout le temps tout seul, je parle tout le temps tout seul. Et je m'engueule. Et j'ai du mal à tolérer que je puisse avoir tel ou tel raisonnement, ou plusieurs raisonnements. Et du coup, de temps en temps, je m'énerve tout seul contre moi-même, mais ça peut aller loin, hein. Et du coup, je travaille là-dessus. Composante, fusil à verrou. Ah, c'est bon, ça. Les créatures de cette vallée nous étaient étrangères, autrefois. Mais ce sont désormais nos frères et nos sœurs, au même titre que les membres de notre famille. Les chasseurs savent beaucoup de choses sur ces animaux, surtout une fois qu'ils sont morts. Mais ces créatures sont aussi généreuses de leur vivant. Dans le nid des oiseaux, nous trouvons des plumes qui permettent aux artisans d'empenner les flèches. La vallée pourvoit à tous nos besoins. Il suffit de demander. Par contre, un arc à poulie sans stabilisateur, ça fait mal, quoi. Un arc à poulie sans protège-bras, pareil. Parce que c'est... Autant tomber à moto, quoi, en étant en maillot de bain, hein. Parce que là, je peux te dire que ton bras, mais t'as la peau qui part, hein, quand tu lâches la corde, hein. Y a pas de protège-bras, par contre, ouais. Oh, y a de la bagarre au loin. C'est un reliquaire. Un coffret qui servait à conserver les reliques des saints. Ça pouvait aller des dents, aux doigts, en passant par la tête entière. Celle-ci appartiendrait au prophète. Il est vide. Ah, j'aurais adoré avoir une dent du prophète. Dans le tiroir qui est juste là, je me suis fait extraire 4 dents de sagesse début octobre. Et je les ai conservées, peut-être que... Ouais, bah, on sait pas quoi raconter, hein, quand c'est...
C'est vrai, je m'en rends compte maintenant là, mais. Ne tirez pas, nous allons. Alors là, la désynchro des sons, elle est dans le jeu. Loupé un. Va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à la recherche de l'Atlas. Ça va sauter. La flemme d'attendre d'être discret. Ouh, il est chaud lui. Mais c'est dingue. Mais c'est quoi? C'est l'homme le plus chanceux au monde. Ok, 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 ok. Wow, cette chance. Alors, il est où le problème là? Qui c'est qui cherche la merde là, les gars? Hein, c'est qui le boss? Fais-moi le malin là, hein? Dis le mec qui joue en facile, enfin en normal, en je sais pas quoi. Putain, mais elle sort d'où cette église de... Faut arrêter hein, de mettre n'importe quel bruitage à n'importe quel moment. Ouais, non mais ça c'est... Non mais non, lâche ça là. Hop, je devrais arrêter l'épisode normalement, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je fais ce que je veux. Je suis arrivé à un combo assez sympa. Je sais pas à quoi ça sert, je sais toujours plus à quoi ça sert. Je suis à fois 10. Et vous pouvez pas arrêter de les flinguer comme ça. Oh là 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 là. Oh, l'œil averti des gars quoi. Tu peux rien leur cacher, hein. Alors là, mon gars, mais même si tu te la prends dans le pied, t'es mort. Tu vas expliquer comment tu survis à ça, toi. Hein. Non, ça j'aime pas. Merde. Oh, je suis sonné. Hey, oh, attends. Ces enfoirés sont loin d'être cons. Ils ont peut-être posé des pièges. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Bah vas-y doucement. Ouvre l'œil. Il a l'air bien, bien malin, lui, hein. Non, non, non! À ton tour maintenant. J'avais sûrement d'autres trucs à faire. Oh, c'est cet Okaiba! Jamais je ne te vendrai ma carte du dragon blanc aux yeux bleus. C'est bon, il a eu son compte. Bon. Allez, on sauve cet Okaiba. Ah merde, tu l'as tué. Ah. Oh, d'accord, c'est Sophia, j'imagine. Ah non. Je sais rien. Y'a pas une cinématique pour les sauver, c'est tout. Ouais, je vise vachement bien.
Détache-moi. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Tu as vu cette boucherie? Comment on va se remettre de tout ça? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est... notre devoir. J'avais une blague. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. C'est de l'autre côté que ça bloque. Ça va, tout va bien. Aidez-moi à mettre le sécurité. Cette fresque représente le moment où ils ont trouvé la vallée. Elle a dû leur sembler paradisiaque. Ce sera bientôt terminé. Il doit bien y avoir un moment. Merde. Voilà. La voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. Comment ça? Les catacombes. On y sera en sécurité. En foutant le feu? Et voilà, une flèche gâchée, youpi! Ça devrait le faire. Oh sérieux? Oh non! Ah non! Flèche explosif, flèche grenade, oui. J'avais une chance sur deux en attendant le nom, hein. Une amulette en forme de cerf, taillée dans un bois. Ça pouvait être un objet important, ou un jouet d'enfant. Ouais, si t'aimes pas ton enfant, parce qu'on dirait plutôt un cerf, mais avec une tronche d'éléphant de mer. Hein. Hop. Allez, on dégage la voie, et on va arrêter alors. Éloignez-vous de la porte! Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine, mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre allié. Ils convergent vers la tour. Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. Ah! Bon bref, et du coup, c'est sur cette musique faussement badass, oh mais tais-toi un peu, qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a déjà bien débordé. Bon allez, full bisous, enfin bisous bisous, enfin bref, yallah. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, tu peux aller faire autre chose. Ou alors, t'abonner, mettre un pouce et avoir cette chanson dans la tête. Nya, 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 nya.